Ça, c'est le quartier créatif de Saint-Étienne. Les rues pavées, les routes et les bâtiments ont progressivement englouti les espaces verts. Mais quelques rebelles résistent encore, sont des maquisards que l'on se tue à décimer au nom de l'hygiène et de la sécurité. On stigmatise la végétation par le terme « mauvaise herbe ». En gros, si t'es une plante et que t'es ni belle, ni comestible, ni à ta place, t'es mauvaise. Mais qu'est-ce qu'une mauvaise herbe, si ce n'est qu'une plante mal aimée? Les mauvaises herbes n'existent pas. Elles n'ont pas de réalité biologique. C'est l'être humain qui la juge en fonction de ses intérêts et de sa vision. Pourtant, ces plantes citadines nous sont indispensables. Elles apportent des bienfaits environnementaux, humains et même économiques. Il est temps de changer, rendant aux plantes leur sacralité. À l'effigie de la French Tech de Saint-Étienne, le projet Panthère est le symbole de la nature reprenant ses droits. La structure sera colonisée par les plantes, puis par les insectes et les oiseaux. L'acier prendra vie pour la répandre autour de lui. Les rêveurs pourront s'imprégner de la structure, guidés par les réflexions inscrites. Les curieux pourront trouver des informations scientifiques via une application.